Ow. Bonjour et bienvenue dans le jeu ou la... Bonsoir et bienvenue dans le jeu où la culture PHP a rendez-vous avec la classe. Le Burger Quiz sauce à FUP. Le célèbre jeu passe au mixeur de la FUP pour des questions sur l'écosystème, sur l'association, ou tout ce qui s'en rapproche de près ou de beaucoup plus loin. Je suis donc Amélie. Bonsoir à toutes et à tous, moi je suis Xavier, je vais vous accompagner également dans ce jeu et nous allons commencer par accueillir nos invités d'honneur. Dans l'équipe Ketchup, nous accueillons avec grand plaisir Marine Gandhi et Bastien Jaillot. La table... Vous êtes ici. Et dans l'équipe Maillot, nous avons Sarah Aïe Lubzanski et Mathieu Napoli. Avec nous, pour nous accompagner durant ce jeu, nous aurons le grand Miam ainsi que Novice Miam qui nous aideront à départager les deux équipes. À gagner. A gagné aujourd'hui si notre participant issu du public survit au burger de la mort, le fameux Jeep Renegade. Oh, il y a de l'enjeu. Et maintenant, voici les deux participants du public, Sophia et Cyril. Je vous invite à vous placer entre les deux tables. Donc, pour l'instant, il va falloir vous départager pour savoir dans quelle équipe vous allez vous installer. Nous allons vous demander de réaliser le mot PHP avec les bras, un peu en mode YMCA. C'est le public qui vous départagera à l'applaudimètre. On va commencer par Cyril. C'est parti, Cyril, quand tu veux. Bah, tu me fais PHP avec tes bras. C'est pourtant assez clair. Sophia, c'est à toi. Alors, je pense qu'il n'y a pas de débat, c'est Sophia. Donc Sophia, comme tu remportes le toss, tu as le droit de choisir le buzzer. Est-ce que tu préfères le cochon ou est-ce que tu préfères le canard? Et mayo ou ketchup? Donc Cyril, je t'invite à rejoindre le ketchup. Alors... puisque tout le monde est installé, nous allons pouvoir passer à la première manche du jeu, les Nuggets. Alors, voici les règles du jeu de cette partie. Une question, plusieurs réponses proposées, une seule est la bonne. Un miam est attribué par bonne réponse. Si vous vous trompez, le miam ne va pas à l'équipe adverse. Ce n'est pas un questionnaire de rapidité, rangez les buzzers. Nous allons poser les questions à tour de rôle à chaque équipe. Comme Sophia a remporté le toss, nous commençons avec son équipe. Alors, équipe Maillot. Facebook a créé un langage transformant du PHP en C++ qui s'appelle Hip-Hop for PHP, Rap for PHP, Jazz for PHP ou Death Metal Progressive Scandinave for PHP. Réponse A. C'est une excellente réponse pour l'équipe Maillot. C'était bien Hip Hop for PHP. Un miam pour l'équipe Maillot. À l'équipe Ketchup, qui n'a pas contribué au langage PHP? Est-ce qu'il s'agit de A, Ziv Soraski? Réponse B, Rasmus Lerdorf? Réponse... Non, tu ranges le téléphone.
Donc, réponse B, Rasmus Lerdorf. Réponse C, Brendan Eich. Ou bien, réponse D, Tim Dusterhuis. Vous pouvez tenir le micro pour qu'on entende vos échanges. Parce que je pense que ça vaut son pesant de cacahuètes. Non, c'était pas la peine, franchement. Alors, on n'est pas pressé, il n'y a pas de limite de temps. Alors, je pense qu'on va devoir faire appel au grand Niam sur cette règle. Puis il y a l'apéro à 19h, donc je pense que le public va se plaindre au bout d'un moment. Cyril ! Bon, on ne sait pas, alors on va dire réponse C, Brendan Eich. Bravo ! Un point ! Désolé, Tim, on ne te connaît pas. Hein. On continue avec l'équipe Maillot. Laquelle de ces entités n'existe pas ? L'amicale fécampoise des usagers du port ? L'association française des utilisateurs de PHP ? L'association foncière urbaine de projet ? Ou l'assemblée fédérale des usagers de la poste ? Il y a une petite thématique dans les réponses, vous verrez. Tu penses quoi, toi ? Moi, j'aurais fait la poste, mais... C'est un truc fécampoise, ou ça veut dire quoi ? Fécampoise, ça veut dire qu'il vient de Fécamp. C'est une ville de Normandie. Je suis sûre que ça, c'est vrai. C'est une source. Alors, mais pressé pour l'apéro. Moi, je dirais poste. Ah, ben moi, je te dis. Il va me falloir une réponse. Réponse D. Eh bien... C'était effectivement la bonne réponse. Eh bien, l'Assemblée fédérale des usagers de la poste qui n'existe pas. Un miam de plus pour l'équipe Maillot. Ketchup, c'est à vous. Laquelle de ces antennes AFUP a existé ? Je sais, je sais. Surtout chez Joli Code. Surtout chez Joli Code. Est-ce que c'est réponse A, Rodez ? Est-ce que c'est réponse B, Luxembourg ? Réponse C, Caen ? Ou réponse D, Genève. Est-ce que ça existait réellement ou ça existait... Alors, pendant combien de temps ça a existé ? Alors, Rodez, on a vu quelqu'un avec un badge Rodez, quelque part. Donc ça voudrait dire qu'elle a existé ? Donc ça, c'est bon. Ça veut dire qu'elle existe encore ? Luxembourg, Luxembourg, on a fait un petit PHP tour au Luxembourg, donc ça existe. Il reste Caen ou Genève ? On cherche celle qui a existé. Celle qui a existé. Ah, qui a existé. Bon, bah alors Luxembourg, alors. Bravo. Un point pour l'équipe Ketchup. Oui, c'est vrai. Soyez bien attentifs aux intitulés des questions, surtout. L'équipe Maillot. D'après Google Trends, ça fait depuis quelle année que PHP est mort, déjà ? 1999, 2002, 2004 ou 2006. Moi, j'irais vers 2002. Ouais, j'ai réfléchi. Déjà, il y a trois chiffres pairs, un chiffre impair. On part sur une théorie du complot là-bas, donc j'ai l'impression. Ne cherchez pas de logique dans l'esprit des gens de la FUP, il n'y en a pas. Google Trends. Qui consulte Google Trends ? Ouais, peut-être du 5-6. 4 ou 6, qu'est-ce que... La pouffée, hein. Réponse D, 2006. Là, c'était une mauvaise réponse. La bonne réponse était évidemment 2004, puisque de toute manière, il n'y a pas de données avant. Donc si ça se trouve, PHP était déjà mort avant. Pas de miam sur cette question. Attention, PHP, ça n'est pas le code ISO du peso philippin. Le code d'un aéroport situé dans le Dakota du Sud, un conglomérat industriel au Bangladesh, ou bien le sigle du groupement des hôpitaux parisiens. Ouais, on va dire la D, parce que c'est la PHP, mais c'est pas la PHP, mais la PHP. Et bravo, vous n'êtes pas tombé dans le piège. Et donc, ça veut dire que toutes les autres réponses existent également. Enfin, existent. Le code ISO du peso philippin, c'est vraiment PHP. Il y a vraiment un aéroport qui est le PHP. Et le conglomérat industriel du Bangladesh s'appelle PHP Family. Je veux dire, pour ceux qui connaissent nos t-shirts, merci. Et c'est PHP Family ? Le Family ? Non, c'est vrai.
Un point pour le ketchup. Alors attention, équipe Maillot, on enchaîne tout de suite avec la question suivante. Combien d'anciens présidents de la FUP s'appellent Xavier? Est-ce 2, 3, 5 ou 13? Et l'équipe Ketchup, on essaie de ne pas influencer l'équipe Maillot, merci. Alors, je crois qu'il y a Xavier Gors, Xavier Lacour peut-être, Xavier... toi Xavier Lun, non mais Lun, mais est-ce qu'il y en a jusqu'à 5? Et d'anciens présidents? D'anciens présidents. Il y a quoi, 22 ans de la FUP? Ah, que des mecs, pas bien. Bah, dans les anciens présidents qui s'appellent Xavier, c'est que des mecs, oui. C'est pas vrai. 5, ça paraît beaucoup quand même. C'est peut-être un prérequis pour être président. Merde. Ouais, il y a une chanson. T'es juste. Il va me falloir une réponse. 13, c'est sûr que non. Mais 5, c'est un peu scandaleux. Ah. Donc ça fait 4. C'est peut-être mon deuxième prénom. Est-ce qu'on compte les deuxièmes prénoms ? Réponse B, 3. Félicitations, c'était bien. Un point de plus pour l'équipe Maillot et je suis donc Xavier Lun. Et non pas Xavier, toi. Alors on va rester dans la thématique des présidents et des présidentes. Quelle particularité n'a pas notre ancienne présidente favorite, Cécile Amrel ? En même temps, c'est facile puisque c'est la seule ancienne présidente. Elle n'est pas Dave. Elle n'est pas Dave. Elle ne pense qu'à faire un troisième mandat. Ou elle ne bosse pas pour une marque de tisane. Quelle particularité n'a pas... Hein, c'est tordu, hein, les questions ont la négative. Je me suis fait avoir tout à l'heure. Attends, mais la double négation, là, j'ai du mal. Techniquement, elle ne ressemble pas à Dave, en tout cas. Non. Donc, c'est un truc qu'elle n'est pas. Ouais, donc elle n'est okay. Okay. Elle n'est pas Dave non plus. Non. Donc, c'est pas un truc aussi qu'elle n'est pas. Elle ne pense pas à faire un troisième mandat. Donc... Il y a une double négation. Après, ouais, ça les embrouille, ça, la double négation. Trop compliqué. Elle bosse pour Letty, alors moi je dis ça. Elle bosse pour. Oui, mais c'est pas une marque de tisane. On sent qu'il bosse un peu, là, l'équipe Ketchup, quand même. Elle veut plus trois fois présidente. Ça, c'est dégueulasse. Mais elle n'est pas Dave. C'est tordu, hein. Ouais. C'est pas gentil. On a pondu cette question à 22h30, un jeudi soir. Ça se voit. Quelle particularité a notre ancienne présidente? Elle est Dave? Elle est Dave? Elle pense. Elle pense à faire. Elle ne pense pas à faire un troisième mandat? Ou. Voilà. Ouais, mais elle pense à faire. Ah oui. Ah, franchement, la C, elle est vicieuse. C'est la C. Oh là là. Bravo, c'était bien la C. On peut donc faire tout de suite un point sur les scores. Elle est où ? Où est-elle ? On a donc l'équipe Ketchup qui est en tête d'un court miam. Ce qui va nous permettre de passer à la partie sel ou poivre. C'est pas sympa de parler, mais c'est bloqué. Dis donc. On va pas... Ça y est, on y est, je crois. Alors attention, deuxième manche du jeu avec sel ou poivre. Vous pouvez ressortir les buzzers. J'arrive, je t'explique. Ressortez les buzzers, cette manche est basée sur la rapidité. Donc attention, on a nos vis miam là qui ont l'œil sur vous. On va vous proposer un intitulé avec plusieurs catégories et vous devez nous dire dans quelle catégorie la proposition entre. Vous allez voir, c'est tordu comme ça, ça va être clair. Ben, par exemple, le forum PHP, une journée chez Mickey ou les deux. Tu vois ? Il faut me dire, je vais te donner des explications et tu me dis l'un, l'autre ou les deux. D'accord ? Tu vas voir, ça va être clair. La première personne à buzzer, la première à buzzer me donne une réponse. Si la réponse est bonne, un point pour son équipe. Si la réponse est mauvaise, un point pour l'autre équipe. C'est la première personne qui buzz ou c'est la première personne qui buzz ? C'est la première personne qui buzz. Si on buzz, on est responsable. C'est ça.
C'est ça, Marine. Il n'y a pas de concertation. Et donc, il y a une limite de temps pour répondre, évidemment. Soit vous jouez la sécurité, soit vous y allez comme des bourrins. Il nous faut une réponse immédiatement quand vous avez buzzé. Est-ce que vous êtes prêts? Ça va aller, Sarah, tu vas voir, respire. Non. Est-ce qu'il faut faire... C'est quoi la technique? Donc, une conférence à FUP, une journée chez Mickey, ou les deux? Non, mais il n'y a pas de question. Les deux. Je peux changer d'équipe ou c'est trop tard? C'est maintenant que je vous fais la proposition. Donc, on ouvre grand ses oreilles. Bah, c'était ça. On ouvre grand ses oreilles. Marine. Les deux. Et non. Non, je suis désolée, à la FUP, on ouvre grand ses oreilles, chez Mickey, on les porte. Oh, ça fait un point pour l'équipe maillot. Ça chipote de ouf. La preuve, enfin, Sophia. Donc un point pour l'autre équipe. Je suis pas d'accord, j'ai réclamation. Il y a un cinéma chez Mickey? Oui, on a en 3D avec des chaises. Il y a un cinéma à l'extérieur de chez Mickey. Eh ben, on non, 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 on ne négocie pas, ou je fais appel au grand miam. C'est un point en moins. Et pas de ticket boisson. Oh. On en prend plein les yeux. Bravo, Sophia. Nos voisins et voisines crient d'enthousiasme. T'as pas buzzé ton cochon. C'était Sophia la première. Les deux. Bravo. Et attention, dernière proposition, il y a un éléphant qui vole. Si. Eh ben non. Non, non, c'est chez Mickey, Dumbo, c'est pas chez nous. Balance l'éléphant ! Balance l'éléphant ! Non, il vole pas, il se crache. Un point pour l'équipe adverse. C'est une piste d'amélioration pour l'an prochain, l'éléphant qui vole ? Non ? Faut voir ça avec Damien Segui. Je ne suis pas responsable des éléphants. Il y a une pyramide, mais il danse pas. Oh, pardon. Alors attention, on va enchaîner tout de suite avec le prochain intitulé. Est-ce qu'il va s'agir de la veille de la FUP? Est-ce qu'il va s'agir de la plus vieille de la FUP? Ou les deux? Faites attention à ce que vous dites. Je menace au ticket boisson. Je peux arrêter de jouer attention. Ou quoi? N'oubliez pas que tu dois faire gagner ton candidat. Elle répond à toutes vos questions. Elle répond à toutes vos questions. C'était les deux. La veille de la FUP répond évidemment à toutes les questions que tu te poses en ce moment. Donc, un point pour l'équipe maillot. La veille de la FUP répond également à toutes les questions que tu te poses. En t'apportant tous les 15 jours ta dose de veille. Pardon, j'avais compris que c'était le jour d'avant, le jour de la FUP. Ah ouais, là, on est quand même... je sais pas si on peut faire quelque chose. Je suis un ancien bénévole et la veille de la FUP, j'étais pas là à l'époque. Okay, la newsletter de la veille de la FUP. La veille de la FUP, tout le monde est abonné, si j'imagine. Donc la veille technique de la FUP. La newsletter que vous recevez deux fois par mois quand vous êtes membre. Alors, donc, les deux, adhérez. Les deux. C'est trop tard. On a c'est parce que tu... Ça fait à peu près un quart d'heure que le mien est parti à l'équipe adverse. En fait, c'est parce que tu n'as pas adhéré, du coup. Tu la reçois pas. Si, si, je la reçois. Ah, dis-leur merci. Deux fois par mois. Avec les trucs à ne pas manquer. C'est merci envoyé pour quel jour de la semaine, Cyril? Pardon? Deux fois par mois, quel jour de la semaine c'est envoyé pour vérifier? C'est deux fois par mois, une fois toutes les deux semaines. Ouais, ok. Le mercredi. Report à spam. Question suivante. Elle bosse deux fois par mois. Les deux. Calme-toi. Allez. Tu viens de sacrifier un point pour cette blague pourrie. Oubliez pas ce qui a gagné, c'est un Jeep Renegade quand même. Je sais pas pourquoi même, je suis venue en fait. On est là pour ça. Ah bah non, c'est sûr. Déjà, ma street cred elle est foutue. Donc, rien à gagner. Mais j'ai tout. Alors, il faut être abonné pour recevoir de ces nouvelles. La veille de la FUP. La veille de la FUP, puisque la plus vieille de la FUP vous contactera même si vous n'avez rien demandé. Elle illumine les devs de sa sagesse. Elle illumine les devs de sa sagesse. On a l'équipe maillot. Ketchup.
Les deux. Est-ce que tu peux justifier pourquoi les deux? C'est mon phare. C'est pas juste pour te rattraper de ce qu'a fait ton voisin il y a deux minutes. C'est mon phare. Je le vois. Ok, ça passe. C'est la veille, non? Un bien pour l'équipe toute seule. Et attention, c'est la dernière de s'intituler. C'est vraiment elle la plus sympa. Je pense qu'on est sur les ketchup encore. La plus vieille. La plus vieille. Ouais, dites-moi, la plus vieille de la FUP et pas la vieille de la FUP. Non, un point de plus pour l'équipe ketchup. On continue. On a pris deux. Intitulé suivant. Un bar, le baromètre des salaires ou les deux. Alors, il faut que tu précises que c'est un bar. Puisqu'apparemment, c'était pas clair pour la veille. Le bar, c'est quoi? C'est le poisson. Vous verrez bien. Vous verrez bien. Le débit de boisson? Le poisson? Alors, mes résultats. Vous êtes prêts? Tiens ton chat. Tiens ton cochon. Tiens ton cochon. Mes résultats sont publiés en début d'année. Le baromètre. C'était cochon? Le, ouais. Le baromètre. Si, merci. Un point. Alors, est-ce que. Non mais parce qu'il y a quand même une confusion. Je suis désolée, c'est les cochons qui sonnent le plus comme des canards que j'ai jamais entendu. Et ça c'est l'excuse la plus pourrie que j'ai jamais entendue. C'est bizarre. Est-ce qu'on peut continuer? C'était soit ça soit l'alternative. C'est la première équipe à faire la roue. Qu'est-ce qu'on tu préfères? On continue avec le cochon? Soit vous faites avec les cochons, soit l'alternative, c'est la première équipe à faire la roue sur la scène. Non, non, c'est bon, il n'y a pas assez de place. Ça va être question suivante, on enchaîne. Mon nom vient du germanique en référence à mes épines dorsales. Cochon. Le bar. Bravo. C'est pas le baromètre. C'est objectivement pas le baromètre. C'est explosé là, les gars, faut se réveiller. Hein. Ma dixième enquête a démarré cette année. Le baromètre. Bravo. Faut appuyer. Attention, je sers à mesurer la pression ressentie. Ketchup. Le baromètre. Les deux. Oh, je suis désolé, le bar, pas du tout. On mesure la pression ressentie sur les devs. Et ouais. Donc on a raison. Dans les deux. Bah non, parce que le bar, ça mesure aussi la pression ressentie. Donc c'est les deux. C'est ce que t'as dit, parfait. Ah non. Et attention, dernière intitulée. Grâce à moi, on peut engager des conversations et évidemment, on refait le monde. Les deux. Les deux, bravo. Je crois pas. Pardon. Alors attention, dans les prochains intitulés, la réponse les deux n'existe plus. Nous vous proposons maintenant un grec, un as ou Nicolas Grécas. Qu'est-ce que c'est un as? Il est plus fort que tout le monde. Ketchup. C'est Nicolas Grécas, mais sinon j'aurais dit un grec et Nicolas Grécas. Alors, je vais donc retenir ta première réponse parce que c'est un jeu de rapidité. Donc Nicolas Grécas, est-ce que tu peux argumenter? Est-ce que tu penses qu'il est meilleur que toi, par exemple? Moi, j'ai bien aimé cette photo sur Twitter que tu vois, où tu as Nicolas Grécas qui est content, Nicolas Grécas qui est pas content, Nicolas Grécas qui est moyen content, Nicolas Grécas qui part au dev. Je valide un point pour l'équipe Ketchup. C'est pas celui-là, mais... Il est dispo jusqu'à tard dans la nuit. Nicolas Grécas. Un grec. Un grec pour l'équipe Ketchup. Ce qu'il propose est une symphonie de saveurs. Quoi? Quoi? Bah, un grec. Pardon. Un grec. Un grec. Tout à fait. Un point de plus pour l'équipe Ketchup. Ça commence à être serré. Est-ce que tu es au courant? Il est au courant de ce jeu ou pas? Parce que je crois qu'il n'est pas là. Bon, je sais bien si ça pouvait. Ce soir. Si ça pouvait rester entre qu'en fait, nous d'ailleurs. Parce que moi, je l'ai vu avec une batte l'autre jour à la Pay Platform Pro. Donc je préviens que ça peut être dangereux. Quand même. C'est pour ça qu'on a fait ça ici. Il y a beaucoup de sécurité. Je ne sais pas si tu as remarqué. Donc ils ont tout récupéré à l'entrée, c'est bon. Et enfin, intitulé final, c'est un vrai atout de l'avoir dans son jeu.
Ketchup. As. Mais ça marche aussi pour Nicolas Grécas. Mais ça marche aussi pour Nicolas Grécas. Allez, on valide l'As. Un point de plus pour l'équipe Ketchup. Dernier intitulé de cette manche. Nicolas, c'est ça ? T'es prêt, Bastien ? Concentre-toi. Oh là là. Pour les propositions suivantes, est-ce que la réponse c'est Damien ? Est-ce que la réponse c'est Guy ? Ou est-ce que la réponse c'est Damien c'est Guy ? C'est qui ? C'est Damien c'est Guy, on a dit. Parce qu'il est jeune et con. Il est jeune et con. Grand Vismium, Ketchup ? Ah, c'est toujours et Ketchup ! Non, c'est vous. C'est pour nous, pardon. C'est Damien. C'est Damien, tout à fait, pour Damien Saez. On vous a rattrapé. Intitulé suivant. Il aime un animal en particulier. Les vaches. Les quoi ? Les vaches. Ah ben, vous devez répondre. Guy. Laisse la réponse. Guy. C'est tout à fait Guy pour le, les vachettes. Guy Lux. Ah, t'as eu chaud là, Mathieu. C'est un truc de vieux, ça fait attention, t'inquiète. Eh ben attention, c'est pas fini pour c'est le truc de vieux. Il a joué dans Un éléphant, ça trompe énormément. Oh là là. Maillot. Guy. C'est tout à fait Guy. Bravo. Guy Bedos. Et dernier intitulé, ses écrits ont endormi des tas d'étudiants qui n'ont rien compris. Ah c'est Damien, c'est Guy. Tu peux m'argumenter ? Bah, il a été. On comprend. Ok, c'est bon. Un point pour Ketchup. À toi. Et... Non, attends, Nicolas, t'es ça. Et voilà qui concluait la deuxième manche. On refait tout de suite un point sur les scores. Nous avons l'équipe Maillot qui est toujours en tête. Allez. Et c'est très serré. On passe à la troisième manche du jeu avec l'addition. Dernière manche du jeu avec avant le burger de la mort avec l'addition. On garde les buzzers. Cette manche est aussi basée sur la rapidité. On va vous donner un thème. Ensuite, on va vous soumettre des propositions. À vous de nous donner la bonne réponse en rapport avec le thème. La première personne à buzzer donne sa réponse. Si la réponse est bonne, 3 miams pour son équipe. Si la réponse est mauvaise, les 3 miams vont à l'équipe adverse. Ça va le faire. Attention, ça peut aller très très vite du côté des points. 3 miams à chaque fois. Le thème est la réponse à une barbe. Oh merde. Première proposition. Mathieu Napoli. Elles sortent... Elles sortent de leur grotte pour donner des conférences à l'affût. Elle est développeuse à barbe. Anaïs. Alors ? Tu peux parler dans le micro, s'il te plaît. Anaïs et Harmonie ? C'est presque ça. C'était Anaïs et Hortense. Effectivement. Donc les 3 points vont à l'équipe Maillot. Je suis désolé. Ah, il faut être précis, hein. C'est un jeu de rapidité, mais aussi de précision. Tu joues secrètement pour notre équipe ? Je joue pour la pharyngite, ok ? Laisse-moi tranquille. Intitulé suivant, il a un marteau. Mathieu ? Ouais, vas-y. Thor ? Bravo ! C'est 25 points ou c'est combien de points ? C'est 3 points. C'est 3 points. Non, mais il y a... Il y a une fin ou il n'y a pas de fin ? C'est juste pour savoir. Il y a une non, fin non, bientôt. Il y a une fin, t'en fais pas. T'as besoin d'aller. Ton calvaire est bientôt terminé. C'est pas le premier. T'as un truc à faire ? Ouais, ouais, ouais. Okay. T'es garé en double fil peut-être, non ? T'as une tarte au four ? On enchaîne. Il est bien connu pour ses conférences sur Elasticsearch. Damien Alexandre. Évidemment, 3 points pour l'équipe Ketchup. Alors, si là, je n'en ai pas. Ouais. Il distribue des cadeaux. C'est Maillot. Le Père Noël. Bravo. C'est une île des Caraïbes. C'est une île des Caraïbes. La Barbade pour l'équipe Ketchup. Ça se mange.
Ketchup. La barbe à papa. Bravo. Oh, c'est chaud, là. Ça va très, très vite, attention. C'est eux, et ils sont bleus, verts, roses et jaunes. Les barbes à papa. Les barbes à papa. Les barbes à papa. C'est un poisson. Le barbu. Bravo, le barbu. C'est bon, on vient de s'arrêter. Il est fini ce jeu-là, regarde, c'est fini le temps. Regarde, ouais, ouais, tout à fait, t'inquiète pas. Ça va bien se passer. Le bar et le barbu. C'est de sortie tous les étés. C'est de sortie tous les étés. C'est de sortie tous les étés. Barbecue. Bravo. Le barbecue. Wow. Exactement, troisième pour l'équipe Mayo. C'est un pirate. Barbe noire. Tout à fait. Barbe noire. Trois points pour ketchup. Ne discutez pas. Barbe rousse. Attention pour la dernière. Sa vie en plastique est fantastique. Et ketchup. Barbie, bien sûr. Donc c'est la fin de cette addition, on fait le point sur les scores. C'est et c'est Ketchup qui mène et qui a accès au burger de la mort. Donc bravo Cyril, tu pars en finale. Ah salut, non ça va. Tu vas partir en finale pour tester le contre toi-même. C'est surtout ça. Pour le grand burger de la mort. Désolé Sophia, pour toi c'est un pot de ketchup et un pot de mayo. Je suis très heureuse. Oh, on aura le titre des gagnants. Bravo. Merci à vous pour votre participation. Vous pouvez rester sur scène pour l'instant. Cyril, est-ce que tu peux prendre le micro s'il te plaît et venir avec moi au milieu de la scène. Nous allons passer au burger de la mort, l'épreuve ultime. Non, c'est fini de rigoler là. Tu fais le rigolo depuis tout à l'heure, je te vois. Je vais te poser 10 questions à la suite. Tu n'as pas le droit de me répondre avant la fin des 10 questions. À la fin des 10 questions, tu dois me donner tes 10 réponses dans l'ordre. Si tu me donnes 5 réponses dans l'ordre, tu gagnes le petit burger de la mort, c'est-à-dire les roues avant du Jeep Renegade. Si tu me donnes les 10 réponses dans l'ordre, tu remportes le grand burger de la mort, c'est-à-dire le Jeep Renegade, avec le plein d'essence. Grand prince, la pub, quoi. Hein ? Est-ce que tu es prêt ? Non. On va demander à tout le monde de bien faire silence sur la fin, de laisser se concentrer. Combien y a-t-il de lettres dans l'acronyme AFUP ? Quelle est ta fonction PHP favorite ? C'était quoi ta conférence préférée aujourd'hui ? Quel est le prénom de Rasmus Lerdorf ? Si je prends l'âge de PHP, que je lui rajoute le nombre de versions et que je lui enlève le nombre de forums PHP en présentiel, quel nombre est-ce que j'obtiens ? J'irai pas vérifier. Franchement, elle n'est pas super, cette édition du forum PHP. C'est quoi déjà le nom de l'opérateur de résolution de portée en hébreu ? Chez PHP. J'irai pas vérifier non plus. Cyril, ta cotisation à FUP, elle est à jour. Quelle est l'antenne à FUP la plus proche de chez moi ? Pendant ce jeu, t'as préféré moi ou Xavier ? Le présentateur. Quand tu es prêt, on t'écoute. Quatre.
Eval, bien sûr. Je crois que c'est déjà mort. Rasmus. Et non. Et non. C'était d'abord ta conférence préférée aujourd'hui. Ah, Rina. Ben Rasmus, il n'est pas en conf. Il n'est pas chez nous. Non, mais c'est ben, l'édition d'il y a 6 ans, c'est pour ça. C'était Forum PHP 2017. Donc, désolé, tu n'as pas gagné le grand bagarre de la main, mais on a quand même un Jeep Renegade pour toi, de poche. Je suis tellement content. C'est tellement formidable. Plein de copains. Bravo et merci pour ta participation. Merci à tout le monde d'avoir joué le jeu. Merci à nos vice-miam, grand-miam.